Pour répondre à la question, est-ce que le jeûne est compatible avec Ramadan ou pas, par rapport à mon expérience, donc effectivement, c'est compatible à partir du moment où on prend en considération les besoins du corps. Durant le mois de Ramadan, qui est quand même un mois assez particulier par rapport à la nourriture, la boisson, etc., qui est nécessaire à la pratique sportive, personnellement, j'ai jamais arrêté le sport. J'ai plutôt adapté ma pratique. Ceci dit, j'ai jamais été obligé non plus de pratiquer, on va dire, à haut niveau en compétition pendant cette période. Alors, un sportif, d'une manière générale, pendant le Ramadan, quelle attitude adopter? À mon sens, il faut distinguer deux choses. C'est comme ça que moi j'aborde les choses. C'est que il faut distinguer le sport de l'activité physique. Quand on est dans le sport, c'est différent parce que dans le sport, on a une notion d'efficacité et d'atteindre un objectif de performance. Et là, c'est plus délicat. Parce que le corps, à ce moment-là, il est considéré comme une machine. Hein. On va dire qu'il fonctionne comme une équation. Il faut lui fournir du sucre, il faut lui fournir de l'oxygène, de l'eau, pour qu'il fonctionne correctement. Et là, pendant le Ramadan, on a ces paramètres-là à tenir en compte. L'activité physique, on peut la continuer pendant le Ramadan en prenant en compte ces éléments-là. Ça veut dire qu'il faut vraiment prendre en considération qu'il faut boire beaucoup, apporter beaucoup d'eau le matin. D'accord, au sahur, et également le soir, parce qu'il faut compenser les pertes au niveau des sels minéraux, au niveau du liquide, etc. Par contre, pour le sport de haut niveau, ou le sport vraiment qui demande une intensité particulière, et je pense que c'est vraiment du cas par cas, et qu'il faut que chaque personne puisse estimer s'il est compétent, ou s'il est plutôt, pas, le mot compétent n'est pas adapté, plutôt sa capacité. Sa capacité physique, puisque les capacités varient des uns et des autres, en fait. Et donc, c'est plutôt comme ça que j'aborde la question, moi, personnellement. Je continue l'activité physique, je continue une activité modérée sans entrer dans le sport de performance.